Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec nous jeudi dans le cadre d'émission éducation économique. Non pas c'est Jeremil et son émission que Film Haïti efficace et Télévision Caraïbe préparé pour vous chaque semaine pour nous parler sur sujet économie, sujet qui a rapport avec finance, budget, fiscalité, exportation, question finance personnelle. À dollars, good, importation, monnaie, tout sujet qui peut permettre que vous-même, en tant que citoyen, en tant que monde qui a un business, en tant que professionnel, pour comprendre, pour saisir le domaine. Vous n'êtes pas obligé dans le domaine, ça va évoluer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une classe que vous devez faire d'avance. Nous devons assurer que ça n'a pas lié à l'atterri et qu'on comprenne. Et qu'on saisit, mais surtout que les dos dans la décision que on prend chaque jour dans la vie. Je dis à nous parler d'un sujet que un peu le monde parler de lui et t'as aimé que nous parler de lui, c'est la banque. Qui côté base à sortir? Qui wallie? Qui différents types de banques qui gagnent? Maintenant, qui histoire? Et dans le cas Haïti, qui mission banque? Qui côté au cas arrivé? Qui ça au café? Qui ça au pas café? Et même éventuellement, il y a des classements bancaires au niveau mondial. Et éventuellement, en Haïti, tout. Ça, c'est le sujet. Et je pense qu'on prend deux émissions pour que nous couvrions ce sujet. Ça. On va tout de suite. Je vous ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de banque. Banque sont institutions, côté que la principale activité, c'est recevoir des dépôts dans le monde et bail crédit. C'est ça nous relé intermédiation financière. Maintenant, il y a différents types de banques. Selon catégorisation, banque commerciale, banque d'affaires, banque d'investissement et banque centrale, qui lui-même a un rôle pour superviser, pour contrôler l'autre banque. Banque commerciale, il y aurait tout des fois banque de détail. Et lui-même, il plus gagne une activité qui a un rapport avec des particuliers comme public. Comme clientèle pour bailler ensemble des services compte bancaire compte d'épargne à mais aussi en même temps tout bailler service crédit pour des monde qui besoin des particuliers. Maintenant une deuxième catégorie dans banque qui est les banques d'affaires, les mêmes les plus occupés de s'annoncer les finances des entreprises. Il accompagne les business à proposer des services qui est approprié par rapport à ça au besoin en termes de services. Li capable éventuellement aider au na acquisition, li aider au na conseil. Deuxième catégorie, troisième catégorie, c'est banque d'investissement. Banque d'investissement lui-même li basé surtout na activité qu'il y a avec marché financier. Ça veut dire que banque ça li aider na question vendre action, na acheter action, non ensemble de produits qui gagne dans marché financier. Bon, comme dans cas Haïti, nous pas un marché financier qui développé, nous capable trop et facile pour que nous saisissions différents types de produits financiers qui existaient. Mais la banque centrale là les mêmes quatrième catégorie, il y a son banque qui les mêmes là joue un rôle de supervision. Et que ce soit en Haïti ou le BRH, en Europe gain BCE, aux États-Unis gain Fed, Federal Reserve System et qui même a joué un rôle que ce soit création de monnaie, dans cas Haïti BRH joue un rôle banquier de l'État, li capable d'influencer marché à travers ensemble d'instruments que le gagnant met li, notamment le taux directeur qui est capable d'influencer que ce soit à question prix ou encore taux de change avec crédit que banque a bail. Maintenant regardez fonction banque là. Pour que ça banque là, pour que son banque existe. D'abord gain ça nous relé un banque qui gère les moyens de paiement. Ça veut dire que ce soit chèque, que ce soit virement ou bien retrait ou carte bancaire, tout c'est des moyens de paiement et ça c'est rôle que banque est capable de jouer. Et il y a des moyens de paiement qui assez récent aujourd'hui là avec technologie, je parle de bourse électronique, je parle de services de paiement par téléphone qui c'est des moyens de paiement. Deuxième fonction, c'est une fonction côté que banque là assure sécurité transaction financière qui existait. Les transactions financières nous vente ou encore achat de titres sur un marché financier que des banques capables de faire et d'aller à Antiguel dans différents types de banques.
Troisièmement, banque la gen rôle pour bail crédit. Bail moun crédit, bail business crédit. Fait ça rele crédit pour entreprise, crédit pour ménage. Et quatrièmement, banque la gen fonction pour que li mobilise épargne. Ça veut dire pour que li prend dépôt. Dans cas pa Haïti, dépôt en goud, dépôt en dollar. Il y a différents types de dépôts. Dépôt à terme, épargne, courant. Et tout ça fait partie du rôle là. Cinquièmement, banque la gen rôle conseil pour que li conseiller client, que ce soit en particulier ou bien en entreprise, par rapport à investissement, par rapport à crédit. Maintenant, est-ce que toute banque joue rôle ça? Mais li important parce que si client on l'a performé pi bien avec crédit qui nan men li, la pi bon pour comme banque ou gen intérêt dans ça. Maintenant, parlant de fonction banque, faut que tu mettes dans contexte par Haïti tout. Parce que Haïti quand même gon loi et loi 2012 sous banque avec institution financière qui lui même explique qui ça banque et qui rôle banque et qui j'ont qu'à ouvrir une banque. Et ben c'est nous allons faire une émission spéciale sur ça. Il y a plusieurs monde qui m'a dit ça, qui j'ont qu'à ouvrir une banque, qui ça processus là, qui ça exigence. Maintenant regardez avec moi d'abord et sous écran et page couverture de le moniteur qui était pratiquement gagné là dans la loi sous banque avec institution financière yo nous est date là vendredi 20 juillet 2012 et plus bas nous va regarder dans loi ça qui j'en relé qui ça relé en banque définition article 3 banque les banques sont des personnes morales dont la profession habituelle est de recevoir des fonds du public, ça nous relé dépôts ou d'autres fonds remboursables qu'elles emploient pour leur propre compte en opération d'escompte de crédit ou opération financière. Donc c'est pratiquement m'a dit résumé de épargne et crédit que yo n'a capable dit mettez comme définition yon banque de la réalité. Maintenant regardez avec moi on l'autre et image côté que article 4 dans loi sous banque yo avec institution financière yo et loi ça baille qui ça activité en banque supposée mise à part prend dépôt et puis fait crédit prend dépôt dans même monde bail crédit c'est rôle principal intermédiation financière. Maintenant à part de ça gagne 11 autres fonctions qui viennent faire 13 que banque l'a gagné dans cadre Haïti. Songez bien que n'a parlé de Haïti et nous voilà en l'air c'est le moniteur qui c'est journal officiel et l'état côté que bail ensemble de publications qui ont rapport avec loi arrêté avec l'autre type de publication. Maintenant, nous regardons la facturage avec ou sans recours. Crédit bail n'a permis que ne pas élaborer sur chaque. Peut-être si ça intéresse, nous sommes capables de faire une recherche sur lui, Google lui, qui ça crédit bail. C'est toute une émission pour nous faire sur crédit bail, pour nous expliquer lui. Mais c'est des formes de financement qu'on est capable de gagner dans l'entreprise. Les opérations de paiement. Émission et gestion des moyens de paiement, carte de crédit, chèque de voyage, lettre de crédit, etc. Banque la gen rôle pour li bail garantie et souscription d'engagement. Banque la gen rôle transaction pour le compte propre de la banque ou pour le compte de sa clientèle. Et avec différents niveaux, instruments du marché monétaire, certificat de dépôt par exemple, les marchés de change au comptant, question $20, $10, instruments financiers à terme et options. Ensemble de produits que vous gagnez, placements et autres, obligations, instruments sur devises ou sur taux d'intérêt, les valeurs mobilières, la participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents, intermédiation sous marché interbancaire, c'est-à-dire que banque gagne droit pour que vous fassiez échange entre eux, que ce soit et prêt entre eux, interbancaire ou encore question dollar entre eux, ou bien good. On connaît par exemple gagne des banques qui tellement dollarisées qui connaît même acheter goud dans mes BNC les ou pas gagne goud. Maintenant yo fait tout gestion de patrimoine capable ba une banque fait gestion patrimoine banque capable faire conservation et administration de valeurs mobilières et également location de coffre. Mais m'bral dit nous personnellement et me dit plusieurs fois moi gagne une difficulté avec loi c'est comme si me gagne impression et ça partagé par l'autre monde tout que banque gagne les trop bagarre que ba ou fait. Nous avons discuté. Comparé avec d'autres pays,
Moi pense personnellement expérience moi dans l'autre pays que moi ouais que moi apprendre de yo banque en Haïti yo selon loi nous ba trop war nous ba trop bagaille que yo ka fait c'est-à-dire que taille on pas capable dire éventail activité pour moi il est trop grand faut capable permettre que l'autre monde spécialisé tête yo l'autre monde spécialisé en crédit bail l'autre monde spécialisé en change l'autre monde spécialisé en de l'autre bagaille que le pas obligé banque. Il va la pour carte de crédit, même gens que nous voulons à l'étranger, que on bande moun gagne, mais ce n'est pas bon. Donc, moi, je crois que y a nécessité pour nous permettre que gagne plus de diversification qui fait en question ça, pour que nous capables permettre que gagne plus d'acteurs qui entrent en ligne de compte et gagne moins de concentration et domination et abus qui capable fait dans certains domaines liés avec l'activité banque en Haïti. Bon, je pense que ça a été pour me dire, parce que ce n'est pas un dossier que mon main est facile, en plus, le monde peut parler de question ça. Même pas si nous avons habité par rapport au public là pour que nous disions exactement ça nous pensons. Et nous avons tout, même une exigence pour créer une banque là, on a l'impression que bah là tellement on tient monté haut, c'est pratiquement presque extrêmement difficile pour les groupes de monde créer de nouvelles banques pendant que ça était là déjà été fait. Mais on a l'impression exigence là vient monter plus, qui fait que ou presque certains ou pas prêt à dépasser ce qu'on a là en termes de banque peut-être dans les années à venir. Et tout ça c'est des bagages, faut que nous mangeons. Faut que nous parlions de eux, qui sont loi sous banque, loi sous assurance. OK? Tout à l'heure, nous allons regarder et Kounia, histoire banque. Qui côté ça sorti? Et nous allons voir, nous allons voir qui j'en ai évolué, qui j'en ai développé jusqu'à aujourd'hui. Mais tout à l'heure, nous allons regarder histoire banque. En pile texte que nous lisons, parlait de 3000 ans avant Jésus-Christ. On a gagné des débuts d'activités qui t'ont fait en Mésopotamie dans le style ça. À l'époque, tu as gagné des prêtres, des prêtresses dans le temple qui te connaissent jouer le banquier et que des gens te connaissent venir prendre l'argent dans la main. Maintenant, jusqu'au Moyen-Âge, l'activité banque est limitée pratiquement à l'opération de caisse uniquement. Pas de vraiment gagner un crédit qui t'a pratiqué par banque. Maintenant, avec l'apparition de la monnaie, et vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une sorte de renforcement dans la question prêt et il y a plus de dépôts qui ont fait tout, que ce soit en Grèce ou bien en Rome. Et ce n'est pas seulement mon religieux, seulement les civils qui ont commencé à entrer là-dedans. Tout. Mais on a dit que le mot banque lui-même, il a gagné civil de l'italien, qui dit banca, qui veut dire que y a un banc en bois, que ensemble de monde, époque Moyen-Âge, te kon chita sou yon banc en bois sous des places pour que y a changer l'argent et puis tout prend nom yo mette li pour capable vle di banque question banque là et activité change ça ou te vinn développer en Europe et vinn développer dans plusieurs pays mais à partir du Moyen Âge ou te commencé vraiment gagner ça te capable les fondements de banque moderne qui te commencé à prendre place que ce soit en fait, en Europe particulièrement, il a commencé à gagner un boost, il a commencé à paraître tête. Donc, activité crédit, qui longtemps, il y a un bail que juif est capable de faire, chrétien pas de le faire, il est pratiquement élargi, étant net. Et au XVIIe siècle, il a gagné un papier monnaie, c'est-à-dire l'argent en papier, il est venu sort tout à la question banque commerciale qui a évolué dans l'activité que il a fait. Et en même temps, où tu viens gagner des banques centrales commencent à prendre forme pour commencer à contrôler l'activité qui a fait dans différents marchés bancaires dans le pays. Et à partir du 18e siècle, 19e siècle, où tu viens gagner avec l'évolution industrielle, avec tout ça le charrier, ça te en même temps fait que banque vient favoriser. Que ce soit développement ou que ce soit avec de l'autre produit, de monnaie fiduciaire et des billets ou et chèques te vin commencer et utiliser et les titres aussi, les titres donc bon ou encore question en bourse ou et action, tout ça c'est des éléments qui te vini au fur et à mesure et tu commences avec des grandes banques qui existaient comme Société Générale, Crédit Lyonnais en France, Deutsche Bank en Allemagne et de Barclays en Angleterre. Et petit à petit,
j'aime d'ab dit tout à l'heure, l'État te commence à encadrer l'activité ça à travers d'adion tentative de mise sous tutelle à travers Banque Centrale qui a commencé à exister. Maintenant au 20e siècle, l'État vient essayer de renforcer l'autorité sous banque, mais des contrôles réguliers sous yo. Il devient beaucoup plus nécessaire parce que nous songeons bien à l'époque ça en 1929, tu as une crise à que ce soit avec chute brutale et coût bourse sur action yo, en pile problème de production dérivé dette et jusqu'à 1960, après la Deuxième Guerre mondiale, la banque vient pour un essor énorme. Parce qu'il y a plus de clients, il y a plus de monde qui a accès. Il vient pour pratiquement une sorte de bagage qui est généralisé. Et quatre banquiers viennent pour l'autre dimension. Donc, tout ça, il y a marqué un essor. C'est son jeu pour ça, il y a des croissances énormes après la Deuxième Guerre mondiale. Et la banque vient élargir en Amérique du Sud, en Afrique, à différentes activités diversifiées, pas seulement dans la question. Prêter l'argent, prendre des pots, mais aussi vin gagner beaucoup plus de produits que vous venez développer et vous venez rentrer tête dans l'immobilier, dans bonne bagaille qui quand même est marqué période ça. Et je dis, nous voyons que gagner des banques extrêmement puissantes et qui quand même aller au-delà de l'activité que vous fait, il valable pour en Haïti tout. Et nous voulons regarder ça. Et là, tout à l'heure, nous voulons présenter nous rapidement et quelques tableaux pour nous voir. De une période à l'autre, comment grande banque dans le monde là évolué? Qui banque qui était plus grande banque dans les années 60? Comment elle vient dans les années 80? Comment elle vient dans les années 90? Comment elle vient vers 2020? Et nous voyons tout à l'heure, nous faire remarque là des changements opérés de qui côté banque yoyé, dans qui zone que yoyé, dans qui pays que yoyé. On regarde avec moi rapidement. Donc j'aime dire là, on regarde avec moi sur écran un premier tableau qui c'est les 10 plus grandes banques dans les années 1980. Et n'a pas là dans li, gagné une banque française qui était premier, Crédit Agricole, deux banques américaines viennent après lui et après une banque française encore, une banque allemande Deutsche Bank, une banque française encore Crédit Lyonnais, Société Générale allemande et puis anglais Barclay, Talent de Bali de lui et une banque japonaise. Ça veut dire que toute banque pratiquement sous 10 banques qui là ou gagne une banque japonaise ou gagne deux banques américaines donc 7 l'autre c'était 7 banques européennes qui étaient donc c'est pratiquement dans les années 80 tu as une domination de banques européennes au niveau mondial. Mais dans le deuxième tableau 10 ans après qui s'est passé ou vient gagne 3 banques japonaises qui a dominé une banque française 4e deux banques japonaises qui viennent après Angleterre deux fois Allemagne et Japon encore. Donc, il y a un petit changement là. Donc, Japon, Kounia, a gagné en 1990 6 banques parmi 10 plus gros banques qui gagnent dans le monde là. Et nous, dans ça, États-Unis pas gagné du tout. Donc, et ça, Japon, tu prends fin années 80, yo, vin début 90, tu mettais l'emploi. D'ailleurs, c'est l'époque que Japon vient pratiquement deuxième économie mondiale, qui vient mettre l'imposition ça au niveau mondial. Maintenant, on regarde ça qui est plus récent, année dernière, 2020. Nous regardons avec moi, nous avons vu qui changement qui gagne. Première banque chinoise, deuxième banque chinoise, troisième banque chinoise, quatrième banque chinoise. Et pour gagner 4 banques américaines qui viennent après, une banque et britannique, HSBC, et puis une banque japonaise. Ça veut dire que, un, première remarque, mis à part de HSBC qui sont banques. Et britannique, Angleterre, pas aucune autre banque européenne qui dans liste top 10 banque dans le monde là. Gagné 4 sacs plus devant qui c'est chinois que nous pas trouvé 10 ans de cela, que nous pas trouvé 20 ans de cela. Donc vinn gon changement dans configuration et dans poids que banque yo gagné. Et c'est pas un hasard. C'est parce que justement la Chine jodi a depuis quelques années, c'est la deuxième plus grande puissance économique mondiale. Et il doit s'exprimer à travers le poids que les banques gagnent dans le monde. Là. Donc, pas de banques européennes qui ont parmi le monde, à l'exception de HSBC. Et pas de banques de l'autre côté, États-Unis quand même arrivé dans 5, 6, 7, 8. Mais c'est les Chinois qui ont dominé. Ils ont chargé l'argent cash, ils ont chargé l'épargne, ils ont vu pratiquement le monde qui a prêté tout le monde l'argent dans le monde. Là. Et qui vient faire que dans position ça, et de plus en plus, ils ont renforcé le poids. Maintenant, nous parlons en pile de bagages qui ont passé l'autre bord. L'important pour que nous fassions un petit coup de pied en Haïti, nous regardons un petit crasse historique
dans la question banque en Haïti pour que nous capables de fermer l'émission aujourd'hui et que nous dédier à la question banque. Il y a plusieurs moments qui marquent l'histoire banque en Haïti. D'abord, en septembre 1825, il y a eu une question en correspondance, en lettre, entre un commerçant étranger et M. Kane avec un secrétaire d'État, Balthazar Ignace, sous question comment être capable de faire pour créer une banque et dans le pays. Maintenant, bon, correspondance était sans suite et nous avons le temps l'année d'après, le 26 avril 1826, Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti, lui-même était reprend idée pour être capable de créer une institution financière de type banque dans le pays pour être capable éventuellement jeune moyen pour payer dette et jouer rôle là dans comme moyen de financement dans l'économie pays a statut banque là t'étant préparé activité t'a supposé commencer t'ai gagné un ensemble d'échéances qui vous t'ai respecté bref malgré toute mise en place banque là pas jamais arrivé créer gens que t'ai prévoit maintenant c'est jusqu'en 1838 gagné des particuliers qui t'ai quand même ouais contacter l'État pour garder qui sont capables de créer une banque qui t'a pas mal couvrir questions agricoles, industrielles et commerciales et gagner des succursales à travers le pays que ce soit Jérémy, Kay, Cap-Haïtien, Jacmel, Gonaïve et Santo Domingo, Puerto Plata, pas oublier pour ça Haïti avec Saint-Domingue ton seul sous gouvernance Jean-Pierre Boyer et tes grand capital de départ 500 000 gourdes qui te prévoit avec 5 000 actions qui t'a vendre pour créer banque ça. Mais malgré toute démarche ça yo ça pas arrivé abouti parce que pas de gagner assez monde qui était souscrit pour être capable faire projet à réaliser correctement. Maintenant en 1859 avec Fab Nicolas Giffra au pouvoir et parlement haïtien lui-même t'a voté une loi pour créer une banque dans pays a. Et loi t'a voté certes mais pas de gagner des moyens financiers économique pour te mettre à disposition pour que le projet création d'une banque soit capable de réalité. Maintenant, en octobre 1974, le gouvernement haïtien a quand même bail un contrat à un certain Adrien Lazare, un citoyen américain, et une concession pour être capable d'établir une banque dans le pays. Avec 3 millions de gourdes de capital, et bref, pas, en fait, en réalité, malgré te gagné une concession pour 30 ans et pour que monsieur ça te réalisé banque là il était fait pose première pierre en juin 1974 gagne grosse cérémonie qui fait et mais malheureusement et malgré local là te prêt ça pas arrivé accompli pour que te fait au contraire révolution qui te jeté Michel Domingue au pouvoir tout aller avec projet à mon pied espace là mobilier au prend yo donc pas vraiment grand aboutissement de projet ça. Maintenant en 1880 sous Lysis Salomon président haïtien et te vinn gagner effectivement yon projet pour que signer avec la France et pour créer n'ta capable di première banque nationale d'Haïti dans pays a et qui était quand même une institution financière mais qui était quand même très lié avec la France. Qui pas gagne aucune autonomie, qui pas d'ailleurs aucune mission gagne rapport à l'économie haïtienne. Gusti Clara Gaya pour cher parler de ça longuement, c'est quand même une banque qui te gagne Haïti là dans seulement un nom, mais qui était français pratiquement. Maintenant en septembre 1893, ce gouvernement Favier Hippolyte, Frédéric Maslin qui était ministre des Finances, il était intéressé pour que tu gagne une nouvelle banque qui créée parce que tu vraiment comprendre que banque ça a que de gagner pas de gagner rapport à Haïti. Il va la banque de Port-au-Prince. Mais banque nationale d'Haïti a que lui-même que la France t'a contrôlé a monsieur tire pied a yo pété coquin, yo pas d'accord pour que une nouvelle banque qui t'a éventuellement vraiment nationale qui pral créer et projet a ministre te fait retrait de lui. Maintenant, en octobre 1910, tu as un contrat entre la Banque nationale d'Haïti qui est venue à résilier avec Français pour venir gagner un rapport avec Américains. Et Maniga explique ça très bien
dans le texte qu'on a parlé de substitution de la prépondérance française par la prépondérance américaine. C'est-à-dire que l'influence américaine en Haïti a commencé bien avant l'occupation américaine. Depuis le, par exemple, en 1910, que gagne une banque américaine et qui lui-même a commencé à remplacer le droit et intérêt et pourcentage que la banque française a gagné dans la banque nationale d'Haïti. C'est pratiquement une suspendre français, mais une américain. Mais ni on ni l'autre pas jamais fait que banque nationale elle t'a un rapport avec pays. Au début de l'année 1911, Antoine Simon, président d'Haïti, a signé un contrat avec un certain Georges Lebas, qui est un ancien directeur banque nationale d'Haïti et qui représente un groupe de capitalistes belges qui voulait créer une nouvelle banque, ça une banque industrielle et agricole en Haïti. Le dossier a été déposé devant le parlement, mais pas jamais voté. Donc qui vient faire que pas jamais gagné rien qui fait jusqu'à ce que nous devions gagner le compte comme président et puis vont nous décourager investisseurs campés sur ça. Maintenant en 1918, nous en pleine occupation américaine, devions gagner à Foreign Banking Corporation, banque américaine qui vient y installer. Mais précarité marché a fait que pas traité, yo te vend opération yo à une banque qui est les Banque Royale du Canada. Que qui lui-même devine pratiquement à partir de 1919 vin autorisé pour que le fonctionne dans le pays a il établit tête li avec succursale dans Port-au-Prince. Maintenant banque ça Banque Royale du Canada n'a pas appliqué en 1986 c'est lui-même que des monde en Haïti t'a acheté pour venir faire soje banque qui quand même reprend activité Banque Royale du Canada t'a gagné dans le pays a déjà depuis 1918. Avril 1919 pratiquement Banque Nationale Publique d'Haïti BNRH était principal établissement de banque de crédit dans le pays. Mais c'était une situation terrible, paradoxale. Banque lancée américaine était prend contrôle pendant que il était toujours une banque qui enregistrée à Paris comme banque française. Donc d'intérêt français mais dirigé par des américains mais qui ont nom haïtien. Bref, c'est la situation que nous avons gagné. Il était obligé d'attendre jusqu'en 1947 pour que la Banque nationale de la République d'Haïti devienne réellement une banque haïtienne, côté que l'État baille service à l'État haïtien et pratiquement, mais pas vraiment à financer l'économie. Maintenant, dans les années 70, tu commencé à gagner des banques étrangères qui viennent, des banques haïtiennes qui ont développé, nous sommes BUH par exemple, dans les années 70, qui devine obligé que BNRH là vienne à essayer de prendre de nouvelles orientations. Et c'est ainsi que en 1979, BNRH vient couper en deux institutions indépendantes. D'un côté, il y a un BNC qui est même dédié à clients, à entreprises comme banque commerciale, et il y a un BRH qui sont l'autre morceau qui a joué rôle banque centrale qui c'est banque des banques qui a une mission pour que les contrôler et réguler marché. Donc bien avant ils étaient font seul en 1979, ils viennent séparer, ils viennent faire deux. Maintenant je dis à rien un marché bancaire qui gagne 8 banques là-dedans. Mais il était beaucoup plus avant, il y a des mouvements qui fait, il y a des fusions, il y a des acquisitions. Nous songe par exemple gagne Soka Bank qui que BNC te vient acheter par la suite avec un ensemble de situations que peut-être pour t'expliquons-le. Nous gagnons Intercontinental que Soge Bank t'a acheté, Promo Bank que Soge Bank t'a acheté, récemment Scotia Bank que Unibank t'a reprend activité palio et Talian t'a parlé de Banque Royale du Canada que Soge Bank lui-même t'a prend pour t'a créer en 1986. Donc jodi a nous gagnons dans 8 banques là 4 banques commerciales privées, Unibank, Soge Bank et BUH et Capital Bank. Nous gagnons 2 banques commerciales de l'État, BNC et puis BPH. Et puis nous avons une filiale de Younan Bank yo, mais qui est dédiée à l'immobilier. C'est Soge Bell, mais qui a un statut banque tout à part entière. Et aussi une banque étrangère, une banque privée étrangère, qui est Citibank qui a évolué dans le marché. Donc pratiquement, c'est ça qu'on gagne comme situation. Et maintenant, au final, j'aime dire tout à l'heure, question créer une banque son sujet que pile monde ta aimé connaît et me promettre dans prochaine émission nous va prendre loi qui créer banque pour nous garder avec nous en détail qui ça pour gagner qui exigence qui
qui processus, qui pièce que vous mandez pour capable créer une banque dans le pays ya. Et qui j'en régulation banque, qui j'en BRH rôle, est-ce que rôle là efficace, qui j'en gérer les banques qui fait abus, souvent ils prennent des sanctions, ils font payer pénalité. Est-ce que ça empêche que yo quand même fait des écarts? Est-ce que loi est suffisant? Est-ce que faut pas gagner plus de l'autre type de capable dispositif pour capable permettre qu'on prenne mesure qu'on supposé prendre par rapport avec banque? En gros, c'est ça que nous te porter pour aujourd'hui. Nous parler de qui ça un banquier de manière générale, mais qui ça la loi en Haïti dit que un banquier, qui sa mission un banquier de manière générale, mais qui ça dans loi haïtienne qui dit que qui activité un banque supposé faire. Nous garder historique en banque à l'étranger et en fait de manière générale, nous garder histoire banque en Haïti, nous pas bailler en détail net son émission 30 minutes, nous pas bailler plus, mais nous ouais grosso modo quelques grands moments de question banque en Haïti. Nous garder classement yo entre et en fait différents banques dans monde là et position que yo gagné et position que t'es gagné avant dans les années 70 ou 80. Nous t'a juste souhaité que l'émission ça a été utile, que nous te prenons plaisir pour nous te garder là avec moi. Pas oublier toujours ben mon feedback sur ça nous aimer, ça nous pas aimer et qui type d'émission que nous t'a aimer que nous fait dans jour qui venir yo. Songez que nous capable suivre moi sur Twitter à sous page moi @edzeremil ou follow ou aller sur LinkedIn ou sur Instagram ou encore un profil Facebook ou capable like li ou encore follow moi pour capable joindre information que n'a partager tout temps et YouTube qui c'est moyen pour regarder ancienne émission yo ou regarder émission qu'on regarder là aujourd'hui à la à combien fois qu'on voulez li ou encore sur email sur le bon feedback qui c'est edzeremil@commercial.gmail.com. Ma vous remercie vous même pour fidélité ou avec attention. Merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace, portez-nous bien et à bientôt.